Alléluia. Amen. La méditation. Meditation. Est très bien. Is very good. Quand on peut entendre la voix de Dieu. When you can hear God's voice. Quand tu entends la voix de Dieu. When you hear God's voice. Tu ne peux pas demeurer le même. You cannot remain the same. Et les choses ne peuvent pas demeurer sans bouger. And things cannot remain without moving. Le frère Zach nous a posé une question un jour. Brother Zach asked us one question one day. Il dit, quand Dieu a rencontré un homme. He said, when God has met a man. Qu'est-ce qui est resté? What has stayed? Il y a eu beaucoup de réponses. There have been lot of answers. Et il nous a dit, and he told us, quand on étudie la parole de Dieu, quand on lit la Bible, when we study the word of God, when we read the Bible, on remarque que c'est la parole qui est restée. We remark that it's the word which has remained. Dieu a rencontré Abraham. God has met Abraham. Nous avons les paroles. We have a word. Dieu a rencontré les Jacob. Nous avons la God parole. Met Jacobs. We have a word. Tout ce que Dieu a rencontré. All people who have been met by God. Les paroles sont restées. The word remained. Quand Dieu te rencontre. When God meets you. Il faut qu'il y ait la parole. It must be the word. Et tu dois pouvoir dire avec certitude, avec assurance que Dieu m'a dit. And you must be able with certainty and assurance that God has told me this. Donc, le frère Antoine, so brother Antoine fait partie de ces frères-là, is among those brothers qui croient la parole de Dieu, who believed the word of God, qui croient aux enseignements, who believe the teachings, et qui mettent les enseignements en pratique. And who put it into practice? Est-ce que le pasteur Antoine est là? Is Pastor Antoine here? Oui, bien. Viens avec les documents. Please come with your files. Pour l'avoir fait. For having done it. Vous allez découvrir avec nous ce qu'il deviendra et ce qu'il est déjà devenu. You will discover with us what he's going to become and what he has already become. Frère Antoine, viens justifier la sagesse de Dieu. Brother Antoine, come and justify the wisdom of God. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I greet you all in the precious name of our Savior and Lord Jesus Christ. Je me nomme Étienne Antoine Edja. My name is Étienne Antoine Edja. J'ai rencontré la CMCI en 99. I met CMFI in 1990s. Dès les premiers jours, starting from the first days, j'avais remarqué, I realized that, que c'était une communauté très profonde. That it's a very deep community. Pour ce qui est de la parole de Dieu. As far as the word of God is concerned. Mais je n'étais vraiment pas intéressé par eux. But at first, I was not interested by them. C'est-à-dire, je voulais pas, je n'étais pas intéressé par intégrer la communauté. That is, I was not interested about getting into the community. Parce que je les trouvais froids. Because I found them very cold. Mais puissants dans la parole. But powerful, mighty in the word of God. Donc j'avais décidé de suivre leur séminaire biblique. So I decided to follow the Bible seminars. Tout en restant là où j'étais. And stay where I was. Et les mois qui ont suivi, the following months, j'ai été confronté moi-même à un problème très sérieux. I was confronted with a very serious problem. Après plusieurs délivrances et même un miracle, la résurrection d'un mort. After many deliverances and even a miracle, that is the resurrection of the dead. Les miracles ne me disaient plus rien. Miracles, I did not care much about miracles anymore. J'ai décidé donc de rechercher Dieu pour lui-même. I then decided to seek God for myself. Et donc je cherchais Dieu et non les miracles. So I was seeking God but not miracles. Et donc ça m'a mené à me poser beaucoup de questions. It led me to put myself a lot of questions. J'étais dans un milieu ancieniste.
I was in a place where people care much about unction. Et je me demandais si j'étais réellement dans la vérité. So I was wondering whether I was really in the truth. C'était une question qui venait de Dieu. It was a question that came from God. Parce que ça m'a troublé. Because it troubled me. Et je me disais aujourd'hui. I was telling myself that today. Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté. Lord, forgive me to have doubted. Mais le jour d'après. But the next day. La même question. Est-ce que ce qu'on fait est de Dieu? The same question is what we are doing of God. Et j'ai crié à Dieu pour qu'il me révèle sa volonté. I shouted to the Lord for him to reveal his will to me. Et Dieu me l'a révélé très clairement. And God revealed this to me very clearly. Je vous épargne les détails pour aujourd'hui. I would like to spare for you the details. Et donc je suis sorti de ce milieu. So I got out of that milieu. Et j'ai demandé au Seigneur. And I asked the Lord. Je vais où? Where am I going? Parce que toutes ces grandes dénominations de la place, je les ai déjà fréquentées. Because I have already attended all these great denominations of the place. C'est ainsi que le Seigneur m'a montré la CMCI. It's then that the Lord showed me CMFI. Et donc j'ai décidé d'intégrer fin mai 99. So I decided to get in that ministry at the end of May 1999. Et quand je suis venu, so when I came, on m'a prêcher l'évangile comme à un païen. They preached the gospel to me as an unbeliever. M'amena à recevoir Jésus. They brought me to receive Jesus. À me repentir de mes péchés. To repent of my sins. À me faire baptiser à nouveau. And get baptized anew. Et ils ont brisé mes liens. And they broke my links. À partir de là, from there, le mauvais esprit, the evil spirit, la puissance que j'avais manifestée, the power that I manifested, s'en était allé, went, et l'Esprit de Dieu a pris possession. And the Spirit of God took possession of me. Et j'ai été enseigné. And I've been taught sur comment chercher Dieu. About how to seek God. Comment trouver Dieu. How to find God. Comment connaître Dieu. How to know God. Comment faire de Dieu sa joie suprême? How to make of God my supreme joy? Et comment servir Dieu comme débordement d'amour? And how to serve God as an overflowing of love? Et quand j'ai intégré la CMCI, and when I integrated CMFI, je reprenais la deuxième année de droit. I was repeating the second year of law. J'avais des problèmes Dieu. I had problem eyes. Je ne pouvais pas étudier plus d'une heure. I could not study more than 1 hour. J'avais terriblement mal à la tête, à commencer par la nuque. I had a very terrible headache and in my nape also. Et j'étais tout le temps malade. I was sick all the time. Et mes parents, my parents, ont été utilisés par l'ennemi. Have been used by the devil, the enemy, sorry, pour me presser, to oppress me, me persécuter, persecute me. Ils m'ont coupé les vivres. They stopped giving me money. Disant que j'étais devenu fou. Saying that I've become a madman. Que j'ai été endoctriné. That I've been indoctrined. Mon papa disait entre autres. My father was saying. Comment quelqu'un qui était intelligent du coup devient bête? How come someone who was so intelligent and became stupid? Qu'il a été endoctriné. He has been indoctrined. Ils m'ont exhorté à mettre fin à cette histoire de Jésus d'église. They encouraged me to stop this question of Jesus and the church. En vain. In vain. Et ils m'ont pris par deux fois. And two times they took me. En fauteuil blanc, comme on le dit. Set me there to ask me questions. Me demandant juste. Asking me. De mettre fin à cette histoire d'église. To put an end to this question of church. Sinon, s'il y a un problème. Otherwise, if there is a problem, ils s'en lavaient les mains. They will wash their hands. Hallelujah. Praise the Lord. Ça m'a pas découragé. This does not discourage me. Puisqu'on nous a enseigné à marcher avec Jésus-Christ. Because we have been taught to walk with Jesus. Et ce que je redoutais, what I feared, arriva. Happened. Deuxième échec. Second failure. Ça équivaut donc au renvoi.
So I've been dismissed from school. Donc renvoyé en deuxième année de droit. I've been dismissed from school at the second year of law. C'était très difficile. It was very difficult. Mais Jésus-Christ m'a gardé. But Jesus kept me. Je me souviens que quand je suis allé prendre les résultats au tableau d'affichage, I remember that when I went to take my results, et que j'ai vu mon résultat, and that I saw my result, le Seigneur m'a dit de chanter Jésus est fidèle. The Lord taught me to sing Jesus is faithful. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jesus is faithful. The people of this world can abandon you, but Jesus is faithful. Je lui ai dit non, je chante pas. I said no, I won't sing. Et je suis allé tout droit en chambre pour aller me coucher. Mais notre Dieu est vivant. But our God is alive. Jésus est vivant. Jesus is alive. Il a fait venir un ami. He brought to me a friend que beaucoup connaissent dans cette salle. That many know in this room. Christian Franco. Christian Faco. Franco. Franco. Oui, les amis de la fac le connaissent. C'était un ami, il était à l'époque au Baptist Ever Mission. That friend was in that time in the Baptist Church. And il allait me trouver en chambre. He met me in my room. Et comme d'habitude, and as usual, on reçoit les frères en rendant grâce au Seigneur. We receive the brethren by giving thanks to the Lord. On a rendu grâce au Seigneur. We gave thanks to the Lord. Et lui, il entend Jésus est fidèle. And he started singing, Jesus is faithful. Je dis Christian, pardon, attends. I say Christian, no, just wait. Que tout à l'heure, le Seigneur m'a dit de chanter ce chant au tableau d'affichage. A few times later, the Lord taught me to sing this song when I went to see the board. J'ai refusé de chanter. I refused to sing. Et il me poursuit avec ce chant par toi. And he is pursuing me with that song through you. Il est vivant. He's alive. Chantons. Let's sing together. Et que la gloire lui revienne. And the glory, let glory be given to him. Et nous avons chanté Jésus est fidèle. And we sang Jesus faithful. Et le diable est tombé et est resté là pour toujours. And the devil fell and stayed there forever. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Un étudiant renvoyé. A student that have been dismissed. Tu n'as pas la force physique. Who do not have physical strength. Se débrouiller au port où je sais où. To go and find a job somewhere at the harbor or I don't know anywhere. Humainement, c'était difficile. Humanly, it was difficult. Mais je me souviens. But I remember. Avoir dit à ma maman. To have told my mother. Parce qu'elle l'appelait tout le temps mon fidèle disciple. Et Antoine et son résultat. Because he used to call my disciple maker. What about Antoine? His result. Quand ils lui ont annoncé mon résultat, when he told him, told her my result, désespérée, il va devenir quoi? She hung the phone down and she was desperate. Je lui ai dit, I told her, ne t'en fais pas. Do not care. Je sais en qui j'ai cru. I know in whom I have believed. Hallelujah. Praise the Lord. Et je me suis accroché aux Écritures. J'ai dit à ma maman, I told my mother, puisqu'elle s'inquiétait, because she was worrying, soit dans le repos, be at rest, je sais en qui j'ai cru, I know in whom I have believed, tu vas glorifier Dieu, you will glorify God, étant assis dans mon salon, sitting in my living room, tu vas le louer étant assis dans ma voiture, you will praise him being sitting in my car. Hallelujah. Praise the Lord. Notre Dieu est vivant. Our God is alive. Et il est dans sa parole. And he is in his word. Puisqu'on nous a enseigné comment chercher Dieu because à travers les méditations bibliques. Since we have been taught how to seek God through Bible meditation. Et les retraites spirituelles. And spiritual retreat. Alors, j'ai vu que quand Jésus y avait un problème, Jésus se retirait. Then I realized that when Jesus had a problem, he retired. Quand il devait choisir les disciples, when les he was apôtres, to, il s'est retiré. When he was to choose his disciples, his apostles, he went into retreat in the night. Quand on lui a annoncé le décès de Jean-Baptiste, il s'est retiré.
When he was informed about the death of John the Baptist, he went into retreat. Avant même d'affronter la croix, il s'est retiré toute la nuit. Before confronting the cross, à Gethsemane, he even got into retreat all the night in Gethsemane. Alors je me suis accroché. So I hung myself aux écritures, to the scriptures, pour méditer, to meditate, et me retirer devant la face du Seigneur, and get into retreat before the face of the Lord. Et c'est ce qui m'a fait. And that's what he did. C'est ce qui a fait l'être qui est devant vous. This is what made the man that is standing before you. Sans ça, je serais peut-être dans un campement loin de vous. Without that, I would have been in a hamlet very far from you. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. But glory be given to the Lord Jesus. For the revelation that we receive. Et béni soit tous ceux qui vont les mettre en pratique. And blessed be all those who would put them into practice. Le Seigneur disait, the Lord was saying, vous êtes heureux si vous savez ces choses. You are blessed if you know these things. Pourvu que vous les pratiquiez. Provided you put them into practice. Je vais vous partager quelques choses de cette intimité avec le Seigneur. I'll share with you something of this intimacy with God. J'ai ici quelques cahiers de méditation. I have some books, copy books of Bible meditation. Et j'ai photocopié aussi quelques, parce que c'est plusieurs cahiers. Je ne pouvais pas tout trimballer ici. There are many books. I could not bring all of them here. Je vais vous partager la première méditation. I'll share with you the first meditation. Qui a commencé à me donner l'espoir. That started giving me hope. C'était le 30 janvier 2001. This was in on January the 30th, 2001. J'ai médité Genèse chapitre 5 verset 24. I meditated in Genesis 5 verse 24. Et Hébreux 11 5. And Hebrews 11 5. Je lis. I read. Enoch marcha avec Dieu. Enoch walked with God. Puis il ne fut plus. And after he was no more. Parce que Dieu le prit. Because God took him. C'est par la foi. It is by faith. Qu'Enoch fut enlevé. That Enoch was raptured. De sorte qu'il ne vit pas la mort. So that he didn't see death. Et on ne le trouva plus. We found him no more. Parce que Dieu l'avait enlevé. Because God has raptured him. Car avant son enlèvement, before his rapture, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. He received the testimony that pleased God. Marcher avec Dieu. He was walking with God. C'est vivre selon l'esprit après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Marcher avec Dieu. Walking with God. C'est vivre selon l'esprit. Is to live according to the Spirit. Après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. After receiving Jesus as Lord and Savior. C'est mener la vie chrétienne normale. Is to lead a normal Christian life. Une vie d'obéissance. A life of obedience. Et de sainteté. And holiness. Qui nous conduit. That leads us. Dans une intimité profonde avec Dieu. In a deep intimacy with God. Marcher avec Dieu. Walking with God. C'est donc être en intimité avec lui. Is to be in intimacy. With c'est donc une histoire d'amour avec Dieu. It's a story of love with God. De même qu'Enoch fut pris. As well as Enoch was taken up par Dieu. By God. Parce qu'il plaisait à Dieu. Because he pleased God. Tout croyant qui reçoit le témoignage de Dieu de lui est agréable. Any believer that receives the testimony of God that pleases him sera aussi enlevé, will also be raptured au retour de Jésus-Christ, when Jesus returns. Et cela, il faut le croire. And we must believe this. Car sans la foi, because without faith, ne peut plaire à Dieu, no one can please God. De même que Enoch ne vit pas la mort, as Enoch didn't know death, les enfants de Dieu qui seront enlevés au retour de Christ, the children of God that will be raptured at the return of Christ, ne connaîtront point la seconde mort, will not know second death, le temps ardent de feu et de soufre, the lake of fire. L'enlèvement est ainsi opposé à la mort. Rapture is opposed to death. Et quiconque veut échapper à la mort, and whoever would like to escape death, doit être agréable à Dieu, must be pleasant to God, en fixant les yeux sur l'enlèvement, by staring his eyes on rapture, pour le désirer vivement, to desire it, afin de pouvoir résister, in order to resist, dans l'adversité, in
opposition. Hallelujah. Praise the Lord. Quand j'ai fini cette phrase, when I finished that sentence, le Seigneur est venu à moi, the Lord came to me et m'a dit ceci, and told me this. Face à l'adversité, When you are confronted to the opposition, ne perds pas courage. Do not lose faith. Car tu es mon enfant. Because you are my son. Et j'ai promis de te délivrer. And I have promised to deliver you. J'ai promis de te délivrer. I have promised to deliver you. Et je tiendrai parole. And I will stand to my word. Reprends courage. Take courage. Et ne perds pas la foi. And do not lose faith. Voici. Behold, je viens te délivrer. I come to deliver you. Et relever ta face. And raise your face. Je relèverai ta face. I shall raise your face. Tous sauront que tu m'appartiens. And all shall know that you belong to me. Tous sauront que je suis avec toi. All shall know that I am with you. Je suis sur le point de relever ta face. I am on the point of raising you. À la grande confusion de tes ennemis. To the confusion of your enemies. Mais toi, but you demeure dans le repos. Remain at rest. Que ton esprit ne s'agite pas. Let your spirit not be restless. Car je suis because avec I am toi. With you. Je t'ai fait passer par ce chemin que tu redoutais. I took you through this way that you feared. Pour ton propre bien. For your own good. Et cela me sera utile. And this will be useful for me. Crois-le. Believe it. Et résiste de tout ton être à l'ennemi. And resist with all your being to the enemy. Je l'ai déjà vaincu. I have already overcome him. Et il est sous tes pieds. And he is under your feet. Hallelujah. Praise the Lord. Notre Dieu est vivant. God is alive. Et j'ai prié, Seigneur, merci pour cette promesse. And I prayed saying, Lord, thanks a lot for this promise. Seigneur, viens au secours de ma foi et fortifie-moi dans mon être intérieur. Lord, come and help me in my faith and strengthen me in my inner being. Oh Seigneur, je confesse que sans toi, je ne suis rien. Oh Lord, I confess that without you, I'm nothing. Et je ne peux rien. And I can do nothing. Viens au secours. Come. Viens à mon secours, oh Dieu. Come to my help, Seigneur, oh Lord. Seigneur, accorde que j'ai les yeux constamment fixé sur le ciel. Grant me to have my eyes staring to heaven. De sorte à pouvoir garder mon âme. So that I can keep my soul. Et tout mon être dans le repos. And all my being at rest. Seigneur. Lord. À nouveau. A new. Je te promets de ne jamais t'abandonner. I promise you anew not to abandon you anymore. Seigneur, merci pour ton secours. Thanks a lot, Lord, for your help. Hallelujah. Praise the Lord. Nous étions au 30 janvier 2001. We were on January the 30th, 2001. Le 9 mars 2001. On March the 9th, 2001. J'ai médité dans Romains 8, 28. I meditated in Romans 8, 28. Nous savons du reste. We know que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. That all things work for the good of those who love God. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Of those who are called according to his goal. Et c'est ce que j'ai médité. That's what I meditated. Je ne vais pas lire la méditation, mais je vais lire ce que j'ai reçu du Seigneur. I will read what I received from the Lord. Si tu restes attaché à moi, if you hold fast to me, je te ferai voir le bonheur. I will let you see happiness. Bannis de ton cœur la crainte et le doute. Cancel fear and doubt from your heart. Je veille. I watch. Et je veillerai sur ta vie. And I will watch over your life. Je suis ton avenir. I am your future. Hallelujah. Praise the Lord. Et j'ai continué à m'accrocher au Seigneur. And I continue to hold fast to the Lord. Jusqu'au jour où, to the day when, j'étais confronté à une question. I was confronted with a question. Continuer à l'université ou présenter un concours? Shall I continue at the university or should I compete? Pourquoi cette question? Why this question? Parce que j'avais réussi à m'inscrire en FIP 2. Because I succeeded to register in an institution called FIP. FIP 2, c'est cours du soir à l'université. It is evening classes at university.
Et quand tu es en FIP, when you are there, FIP 2, si tu réussis à l'examen, if you succeed, tu es réintégré dans le système normal en licence. You are reintegrated in the normal system when you get to bachelor degree. J'avais saisi le doyen de la fac. C'était le professeur Uraga Obu. It was the dean of the faculty, that is Professor Uraga Obu. Lui a exposé mon problème. I went and explained my problem to him. Et donc il m'a fait la demande de dérogation. So he asked me to make a reply. Qui m'a permis de m'inscrire en FIP 2. Which allowed me to register in et FIP 2. On avait commencé les cours et même les travaux dirigés. We started the courses and even the tutorials. Mais c'était, la vie était difficile. But life was difficult. Nous prions que le Seigneur nous apporte les corbeaux pour nous nourrir. We pray that God brought us raven to feed us. Mon ami Lombé est en train de sourire parce qu'il s'en souvient très My bien. My friend Lombé is smiling because he remembers. Hallelujah. Praise Et the Dieu Lord. Dieu a été toujours fidèle. And God has always been faithful. Et le 21 mai 2001. On May the 21st, je m'étais retiré. I went into retreat dans une salle d'études du campus INSET où nous étions. In a prep room of that our residence called campus INSET. Et dans ma retraite, in that retreat, j'ai écrit une lettre à Dieu. I wrote a letter to God. Je vais vous la lire. I will read that letter. Mon cher père, Yahvé Jireh. My dear father, Yahvé Jireh. C'est avec un cœur plein de reconnaissance. It's with a heart full of acknowledgement. Que je t'écris cette lettre dans le merveilleux nom de ton fils Jésus-Christ. That I write to you this letter in the wonderful name of your son Jesus. Je voudrais commencer cette lettre par une note d'amour. I would like to start this letter with a note of love. Car je ne saurais taire ce que j'éprouve réellement pour toi. Because I cannot shut up about what I feel for you. Je t'aime d'un amour, d'un éternel amour. I love you with an everlasting love. Et le degré d'amour que j'ai pour toi sera sans cesse croissant. And the level of love that I have with you, for you, will always be growing. Je sais que toi aussi, ô mon roi. I know that you too, ô my king. Tu m'aimes. You love me. D'ailleurs, c'est toi qui m'as aimé le premier. And you are the one who loved me first. Alors que je n'en étais pas digne. But at that time I was not worthy. Je t'en suis infiniment reconnaissant. I am very grateful to you without ceasing. Papa, Daddy, j'ai certaines préoccupations à partager avec toi. I have some concerns to share with you. La première est relative à mes études. The first one is related to my studies. Et à mon avenir social. And my social future. Je ne sais pas ce que tu voudrais que je fasse. I don't know what you want me to do. Est-ce que je dois continuer les études? Shall I continue my studies? À l'université, sous-entendu. At university? Ou dois-je présenter un concours? Or shall I go through a competition? Si oui, lequel? If yes, which one? Nous étions au 21 mai 2001. We were on May the 21st, 2001. Le lendemain, on the next day, je me suis retiré et j'ai médité dans Ephésiens 6, verset 10. I went into retreat and I meditated in Ephesians 6, verse 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Strengthen yourself in the Lord and by his strength. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Put on all the armor of God. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. So that you can stand before the wiles of the devil. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Because we don't have to fight against the flesh and blood. Mais contre les princes de ce monde de ténèbres. But against the princes and of this world of darkness. Contre les esprits méchants
méchants dans les lieux célestes. Against the wicked spirit in heavenly realms. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. That's why I put on all the armor of God. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. In order to resist in the evil day. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. And to stand after overcoming everything. Tenez donc ferme. Hold fast. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Have truth as a belt. Revêtez la cuirasse de la justice. And put on justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. And also put on your feet the zeal that. Par-dessus tout le bouclier de la foi. And take over all the shield of faith. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. With which you will be able to quench the fires of the devil. Prenez aussi le casque du salut. Also take the helmet of salvation. Et l'épée de l'esprit. And the sword of the spirit. Thank you. Qui est la parole de Dieu. That is the word of God. Faites en tout temps. And always. Par l'esprit. Do through the spirit. Toutes sortes de prières et de supplications. All kind of prayer and supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. And watch over this and do it. Persevere in it. Et priez pour tous les saints. And pray for all the holy ones. Hallelujah. Praise the Lord. Et j'ai médité cela. Je vous épargne toute la méditation. Je vais vous dire ce que j'ai reçu. I would like to avoid all the many details, but I read what I received from God. Parce que c'est ce qui est le plus important. Because that's what is the most important. Le croyant qui perd la foi est un homme fini. A believer that loses faith is a finished man. Car tout enfant de Dieu doit marcher par la foi. For any son of God must, any child of God must walk by faith. Sans foi, without, pas de victoire possible. Without faith, there's no victory. Amen. Praise the Lord. Nous étions au 22, 5e mois 2001. This was on May. May the 22nd, 2001. Ça dit le lendemain. That is the next day. De ma lettre. Of my the letter I wrote. Et le jour d'après, ça dit le 23 mai. And the next day, that is on May the 23rd. Je me suis à nouveau retiré. I went again into a retreat. Devant le Seigneur. Before the Lord. Et notre Dieu qui est vivant est venu à moi. And our God that is alive came to me. Je vous lis ce qu'il m'a dit. I read to you what he told me. Je t'ai choisi pour une œuvre de restauration. I chose you for a work of restoration. Je t'ai choisi du milieu de tes frères. I chose you from the midst of your brethren. Sans tenir compte de tes faiblesses. Without taking into account your weaknesses. Ni de ton handicap. Nor your handicap. Je t'ai choisi parce que j'ai de l'amour pour toi. I chose you because I have love for you. Et je t'aime avec tout ce que tu es. And I love you with all that you are. Ne t'inquiète pas au sujet de ton avenir. Do not worry about your future. Je ne t'ai pas appelé pour te faire du mal. I did not call you to do harm to you. Ne regarde pas au succès des autres pour en tirer une conclusion. Do not look at the success of others in order to draw a conclusion. Et permettez-moi de préciser. But let me precise. Tous mes amis avaient été admis. That all my friends have been went up. Tous. All of them. Les Paulin, Kwasi, Innocent, Lombé, Kwadjane, G, tous. All the names that I have J'avais quoted. Étudié avec certains en première session, ils ont été admis, ils sont rentrés à la maison. I studied with some of them at the first session, they succeeded and went back home. Deuxième session, d'autres sont venus, ceux qui étaient à la maison. Second session, those others came, those who were at home. On a étudié ensemble. We studied together. Tous ont été admis. All of them succeeded. Sauf moi. Except me. Donc cette parole vaut vraiment son pesant d'or. So this word was really important for me. Ne regarde pas au succès des autres pour en tirer une conclusion. Do not look at the success of others in order to draw a conclusion. Tu m'appartiens. You belong to me. Et je sais ce que j'ai prévu pour toi. And I know what I've planned for you. Il est nécessaire que tu souffres. It's necessary for you to suffer. Pour que tu puisses me servir. So that you can serve me. Je ne t'ai pas abandonné.
I have not abandoned you. Mais il faut que tu apprennes beaucoup de choses par la souffrance. But you must learn a lot of things through suffering. Je t'ai choisi, moi l'Éternel ton Dieu. I chose you, I, the Lord your God. Je t'ai choisi et protégé depuis le sein maternel. I chose you and protect you since the womb of your mother. Pour que tu m'appartiennes. For you to belong to me. Ne regrette donc pas le jour de ta naissance. Do not even regret the day of your birth. Car c'est moi qui l'ai permise. C'est moi qui l'ai permise. Because I'm the one who allowed this. As-tu encore besoin d'un père? Do you still need a father? Je suis ton père. I am your father. Et tu es mon enfant. And you are my son. Je t'ai préparé. I prepared you. Et je te prépare. And I'm preparing you. Pour l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. For the work for which I've called you. Ne désespère pas. Do not be despair. Je suis avec toi. I am with you. Tu devras passer par l'ENA. You must go through the administration school. Je t'ouvre les portes de l'ENA. I open the gates of the school of administration. Tu y seras certainement. You will surely be there. Parole de l'Éternel. The word of the Lord. L'Éternel notre Dieu qui est vivant. The Lord our God who is alive. Venez ainsi de me promettre. Had just promised me l'entrée à l'ENA. That I will get into the National School of Administration. Et j'ai cru. And I believed. J'ai écrit à notre maman. I wrote to my mother. Pour dire de faire encore un effort. To tell her to make another effort. Je suis l'aîné. I am the firstborn. J'ai beaucoup fait. She has done a lot. Mais fais encore un effort. But do once more effort. Je vais présenter un concours. I want to compete, to go through a competition. Et comme ce concours tire son origine en Dieu lui-même. And as it has been inspired to me by God. Il a touché son cœur. He touched her heart. Elle est allée donc à Bongwanou. She went to Bongwanou. Pour faire mes extraits date de naissance, car j'ai des issues. To make the birth certificate. Tout ce dont j'avais besoin. And anything that I needed for that competition, for that contest. Et elle a laissé l'argent chez son petit frère à Abobo. And she left money to her junior brother in Abobo for me. Comme j'étais encore sur le campus. As I was still on the campus. Ce n'est qu'au mois de juillet. It is in July. Que je suis allé. Abobo. That I went up to Abobo. Et on m'a remis l'argent. And they gave me the money. Je suis allé à Bongwanou. I went to Bongwanou. Pour retirer mes pièces, mes papiers. Just to take my certificates. Et là-bas, there, j'ai passé la nuit chez une amie de notre maman, une institutrice. I spent the night by a friend of my mother. She's a primary school master. Et Madame Kini Marie. Her name is Kimi Marie. Et au petit matin. And in the morning, early in the morning. Je me suis levé pour chercher Dieu. I got up to seek God. Vous savez que dans la communauté, on nous enseigne ce qu'on appelle, dans notre jargon, les RDQD. You know that in the community, we have been taught what we call in our jargon. Les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. The daily dynamic encounters with God. Ça se situe entre 4h et 6h du matin. It's between 4 a.m. to 6 a.m. De préférence. If you prefer. Et donc je me suis levé. So I got up. J'ai prié. Prayed. J'ai adoré. Worshipped. Et puis je me suis mis devant Dieu pour méditer la parole de Dieu. So I stood before God to meditate the word of God. Et le Seigneur est venu à moi. And the Lord came to me. Il m'a dit ceci. He told me this. Je surprendrai tes parents. I will surprise your parents. Et tous tes ennemis seront confus. And all your enemies will be confused. Moi l'Éternel ton Dieu. I the Lord your God. Je t'ouvre les portes de l'ENA. I open the doors of the school of administration. Et personne ne pourra rien contre. And no one can be against it. Je t'accorde la réussite au concours. I grant you the success to the contest. Et personne ne pourra te l'arracher. And no one can snatch it from you. Je veillerai sur ma parole. I will watch over my word. Pour amener à l'existence.
to fulfill it, ce que j'ai déclaré à ton égard, to fulfill what I have declared to you, réjouis-toi, rejoice, et sois dans l'allégresse, and be joyful, car cette parole est certaine, because this word is sure. Hallelujah. Praise the Lord. J'ai dit, oh Seigneur, je te bénis. I say, oh Lord, I bless you. Seigneur, je te rends grâce pour le privilège. I give you thanks for the privilege que tu m'accordes d'entrer à l'ENA. That you grant me to get into the school of administration. Oh Seigneur, je crois ta parole. Oh Lord, I believe your word. Seigneur, soutiens-moi. Oh Lord, support me. Et aide-moi à coopérer. And help me to cooperate. Positivement avec toi. Positively with you. Dans le travail dur. In hard work. Pour amener à l'existence cette belle promesse. To bring into existence that very beautiful promise. Oh Seigneur. Oh Lord. Donne-moi s'il te plaît. Give me please. Les documents qui me seront nécessaires. The documents that are necessary. Pour la bonne préparation de ce concours. For a good preparation of this contest. Seigneur, donne-moi des personnes avec qui je pourrai étudier. Lord, give me people with whom I can study. Bongwanu le 12, 7e mois 2001. Bongwanu the 12th of July 2001. Et je suis venu, j'ai déposé mes dossiers à l'ENA. And I came and deposit the files at the School of Administration. Et deux jours après, 2 days later, c'est-à-dire le 19 juillet, that is on July the 19th, je me suis retiré. I went to retreat again pour méditer la parole de Dieu. To meditate the word of God. Quand j'ai prié, when I prayed, le Seigneur est venu à moi. The Lord came to me. Il m'a dit, he told me, je suirai tes larmes. I shall clean your tears. Je suirai tes larmes. I shall clean your tears. Tiens ferme et supporte tout. Stand fast and support everything. À cause de moi. Because of me. Je t'ouvre les portes de l'école nationale d'administration. I open the doors of the National School of Administration. Prépare-toi à y entrer. Get prepared to get there. Je t'ai ouvert la grande porte de l'ENA. I have opened the great door of the School of Administration. Et personne ne pourra fermer. And no one will be able to close it. Puisque tu as gardé mes paroles. Since you have kept my word. Et que tu n'as point renié mon nom. And you did not deny my name. Je te donne ce que ton cœur désire. I'll give you what your heart desires. Et tu oublieras toutes ces années de souffrance et d'humiliation. And you will forget all these years of suffering and humiliation. Cultive la joie. Cultive la joie. Cultivate joy. Cultive la joie. Cultivate joy. Réjouis-toi. Rejoice. Car tu n'es point abandonné. Because for I will not abandon you. Hallelujah. Praise the Lord. Notre Seigneur est vivant. Our Lord is alive. J'ai dit merci Seigneur pour toute cette grâce. I said thanks Lord for all this grace. Aide-moi s'il te plaît. Help me please. À me préparer. To get prepared. Pour mon entrée à l'ENA. For my entrance to. Seigneur, je prie que tu caches mon entrée à l'ENA sous le précieux sang. Oh Lord, please hide my entrance to the school administration under your precious blood. De Jésus-Christ. Of Jesus. Et que tu amènes à l'existence. And that you bring into existence. Au nom de Jésus. Bring it into existence. Seigneur, in the name of Jesus. D'obéir. Lord, I accept to obey. Et de me réjouir. And to rejoice. Toujours en toi. Always in you. Pardonne-moi. Forgive me. Toutes les fois où j'ai attristé ton esprit. All the times I have grieved your spirit. Ou un de tes enfants. Or one of your children. Et j'ai médité après Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 8. And after I meditated Revelation chapter 3 verse 7 to 8. Parce que ce que j'avais reçu, il y a une partie qui ressemblait un peu à une parole des Écritures. Because what I've received, a part of it was just like one or another word of the scriptures that I know. Donc je suis allé méditer Apocalypse 3, 7 à 8. So I meditated. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Write to the angel of the church of Philadelphia. Voici ce que dit le saint, le véritable. That's what says the holy one, the true one. Celui qui a la clé de David.
The one that has the keys of David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. The one that opens and no one can close. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. The one that closes and no one can open. Je connais tes œuvres. I know your work. Voici. Behold, parce que tu as peu de puissance, because you have little power, et que tu as gardé ma parole, and that you have kept my word, et que tu n'as pas renié mon nom, and that you didn't deny my name, j'ai mis devant toi une porte ouverte, I have set before you an open door, que personne ne peut fermer, that no one can close. Hallelujah. Praise the Lord. Le Seigneur Jésus-Christ est le principe de la création de Dieu. The Lord Jesus is the principle of the creation of God. Il tient la clé de toutes choses. He holds the key of all things. Il est l'omnipotent. He is the omnipotent. Et ce qu'il fait est une chose souveraine. And what he does is sovereign. Qui s'impose à tous. That everyone that imposes is imposed to everyone. Quand il ôta le trône du dessus de Saül, when he took the throne from Saul, rien ne fut. Nothing has been done. D'autre que ce qu'il a déclaré. Else than what he has declared. Malgré toute la rage de Saül et de ses hommes. Despite all the hunger of Saul and his men. Aussi quand il choisit de remettre la royauté d'Israël à David. And when he gave the kingship of Israel to David. Personne, no one, et rien, and nothing, n'a pu s'y opposer. Has been able to oppose. Notre Dieu est souverain. Our God is sovereign. Et toute décision ou décret émanant de lui. And all decision or decree that stems from him. A l'autorité suprême sur toute autre norme. Has supreme authority over any other norm. Dieu, God, parce qu'il est Dieu, because he's God, fait tout ce qu'il veut, does all that he likes, comme il veut, as he wants, et quand il le veut, and when he wants. Notre Seigneur est l'autorité suprême. Our God is the supreme authority. Le roi des rois. The king of kings. Quand Dieu ouvrit le ventre de la terre pour y faire descendre Corée et sa suite. When God opened the earth to take down Corey and these followers, la chose fut sans aucune opposition. There was no opposition. Lorsqu'il ferma la gueule des lions pour préserver la vie de son serviteur Daniel, when he closed the mouth of the lion in order to preserve the life of his servant Daniel, jeté dans la fosse lion, that has been put in the den of lions, le diable ne put s'y opposer. The devil could not oppose. Notre Dieu est le vainqueur éternel. Our God is the eternal victor. Si nous nous attachons à lui, if we hold fast to him, lui aussi, he too, nous aussi, nous devenons vainqueurs. We too will become overcomers. Parce que lorsqu'il ouvrira une porte devant nous, because when he shall open the door before us, elle restera à jamais ouverte. She will the door will remain opened. Et lorsqu'il fermera une porte, and when he closes a door before us, pour notre bonheur, for our goodness, elle restera fermée pour toujours. It shall remain closed forever. Ce que Dieu attend de nous, what God is expecting from pour us, agir de la sorte avec nous, to work this way with us, c'est que nous soyons fidèles. Is for us to be faithful. Nous devons persévérer dans la foi et la sainteté. We must endure in faith and holiness. Quel que soit le temps qu'il fait. Whatever the time it takes. Dieu m'a parlé à nouveau. God spoke to me anew. Je choisis souvent. I often choose. De vous laisser confronter les épreuves. To let you be confronted with testings, pour votre bien, for your good, persévérez, endure, et vous serez semblable à de l'or pur, and you will be like pure gold, qui se parfait par l'épreuve du feu, that can be perfect through the test of fire. La pression produit la perfection. Pressure produces perfection. Tu n'as plus le droit de reculer ou de ne pas avancer. You no more have the right to go back or not to move ahead. Reste dans mon intimité. Remain in my intimacy. N'oublie jamais le message. Never forget the message. Du cercle l'intimité. From that is from our intimacy. Avec Dieu. With God. C'est un autre message que j'avais reçu antérieurement.
It's another message that I received beforehand. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous étions au 19 juillet 2001. This was the 19th of July 2001. Et nous sommes allés composer. And we went to sit for. Dans le mois d'août. We went to sit for the context in August. Et il y avait beaucoup de milliers de candidats. There were thousands of candidates. Et pour le cycle moyen. For the mean cycles. If I can say so, il y avait 76 places disponibles. There were 76 places that were available. Et le Seigneur a permis que j'occupe la 11e place ex aequo. I was the 11th over 76. Et je pouvais donc choisir la filière que je voulais. So I was free to choose the option that I wanted. C'est ainsi que j'ai choisi la filière impôt. I chose the options concerning the taxes. Je suis donc à la direction générale des impôts. I am at the general direction of taxes. Nous avons été affectés en mars 2004. I have been sent in I've been posted in March 2004. J'ai été affecté à Zopé. I was posted in at Zopé. C'était mon premier poste. It was my very first post. Je suis resté de 2004 en décembre 2008. I was there from 2004 to December 2008. Le Seigneur a permis que nous implantions notre œuvre à Azopé et à Akoupé. The Lord allowed us to plant the church in Azopé and in Akoupé. Et comme le Seigneur avait dit qu'il m'ouvrait la porte et que personne ne pouvait fermer. And as the Lord told me that he was opening the doors to me and no one could close it. J'ai donc fait le concours professionnel. I also went through a professional contest le cycle des inspecteurs for a cycle that is upper. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Et j'avais été confronté à beaucoup de difficultés. I was confronted with many difficulties. À cause de mon engagement pour le Seigneur. Because of my commitment for the Lord. Et dans mon service, in my service, mon supérieur hiérarchique, my boss, the one that is on top of me, ne me portait pas beaucoup dans son cœur. He did not bear me much in his heart. Et il m'avait mal noté. And he did not give me a good mark. Vous savez, pour les professionnels, for those who are professionals, il y a une note que le supérieur donne. There is a mark that is given to you by your superior. Qui est prise en compte. That is taken into account. Pour le concours. For the contest. Et j'étais irrité. And I was upset. Hallelujah. Praise the Lord. Et quand je suis allé à Dieu, and when I went to God, j'ai médité. Nous étions à Azopé le 1er mai 2008. That was in Azopé, May the 1st, 2008. J'avais médité dans le livre de Romains chapitre 12 verset 19. I meditated in the book of Romans 12 verse 19. Ne vous vengez point vous-même. Do not avenge yourself. Bien-aimé. Beloved brethren, mais laissez agir la colère. But let the anger of God work. Car il est écrit, for it is written, à moi la vengeance. To me vengeance. À moi la rétribution. To me vengeance. Dit le Seigneur. Says the Lord. Alléluia. Praise the Lord. J'ai médité. Bon, je vous épargner toute la littérature. I will avoid all literature to you. Et vous dire ce que j'ai reçu du Seigneur. And tell you what I received of the Lord. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. So speaks the Lord God. Écoute mon fils.
Listen, my son. Le diable, the devil, est en fureur contre toi. He is angry against you. Mais tu n'as pas à craindre. That you don't have to fear. Tu n'as rien à craindre. You have nothing to fear. Ni pour ta vie. Nor for your life. Ni pour ta carrière professionnelle. Nor for your professional career. Encore moins pour ton ministère. And less for your ministry. J'écraserai tout tes ennemis moi-même. I shall crush all your enemies myself. Dans une fureur rouge. In a red anger. Oui. Yes. J'écraserai. I will crush. J'écraserai tes ennemis. I will crush your enemies. Mon œuvre en tes mains prospérera. My work within your hands et shall tu prosper. Me glorifieras. And you will glorify me. Ne t'inquiète pas pour ta carrière. Do not worry for your career. Car elle est dans ma main. For it is within my hands. Tu seras ce que tu dois être. You shall be what you have to selon be. Selon ma propre volonté. According to my own will. Et non selon la méchanceté d'aucun homme. And not according to the wickedness of man. Souviens-toi. Remember que c'est moi-même that it is I myself qui t'ai ouvert les portes de l'ENA that opened the door of the school of administration. Que tu sois aujourd'hui à la direction générale des impôts. For you to be at the general direction of taxes. Du directeur général au dernier des plantons, toute la DGI est entre mes mains. J'écrase les complots contre toi. I'll crush the wiles of the devil against you. Attache-toi davantage à moi. Hold fast to me more. Je te ferai voir ma gloire. I will let you see my glory. À la grande confusion de tes ennemis. To the shame of your enemies. Sois fort et serre-moi. Be strong and serve me. Sois fort. Be strong. Aie du courage. Have courage. Car tu n'as rien à craindre. For you have nothing to fear. Hallelujah. Praise the Lord. Azopé le premier cinquième mois 2008. This was in Azopé on the 1st of May 2008. Et nous sommes venus composer au mois d'août. And we came to sit for the contest in August. J'ai bien fait. I did it well. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Mais quand j'ai fini, but when I finished, j'étais irrité. I was upset. Parce que la surveillance était approximative. Because the invigilation was not well done. Les gens trichaient. People were cheating. Et quand ça triche, and when people cheat, humainement parlant, humanly speaking, on se dit que ceux qui ne trichent pas sont défavorisés. We think that those who do not cheat have quand no favor. Quand je suis retourné à Azopé, when I went back to Azopé, étant au service, being there at my service, j'en parlais avec amertume. I was talking about it with bitterness. Et là, Dieu m'a parlé. And God spoke to me. À travers un musulman. Through a Muslim. Ceux qui en avaient un musulman qui avait ceux qui portent les pantalons sautés là. Those Muslims that wear short trousers. Dieu l'a utilisé. God used them. Il m'a dit, chef Etienne. He said, Chief Etienne. Les hommes ont leur liste. People have their list. Dieu a sa liste. God has his list. Je me suis donc repenti. So I repented. Pour me confier au Seigneur. To entrust myself within the hands of the Lord. Et il y avait 20 places disponibles pour le cycle moins supérieur, filière de peau. There were 20 places available. Et j'ai occupé la cinquième place. Je suis donc revenu à Abidjan, à l'ENA, en janvier 2009. So I came back to Abidjan at the School of Administration in January 2009. Nous avons fini et notre formation, nous sommes sortis, nous avons fait notre sortie officielle. We finished our training and we came out officially. Un peu avant la crise. A bit before the crisis. Et après la crise, and after the crisis, nous avons été affectés. We have been posted. Et on m'a affecté aux impôts de Yopougon. I've been posted at the taxes of Yopougon. Au bâtiment B. That is building B. La DRAN 5, c'est-à-dire la direction régionale Abidjan Nord 5. That is Abidjan Nord 5. Et en 2013. In 2013. J'ai reçu une promotion.
I received the promotion. Le Seigneur a permis comme un homme. The Lord allowed me to be appointed. Ici même à Abidjan dans la même direction régionale. Here in Abidjan, the same regional direction. Comme l'assistant du directeur régional. As the assistant of the regional director. Et l'assistant au niveau hiérarchique, il est élevé au-dessus des chefs de service. Et donc, the assistant. C'est une place plus honorifique que celle que j'avais eue à l'intérieur. Praise the Lord. The assistant at the level of the hierarchy is above the chief of the service. That is the post that I got in Akupe. Je suis donc le produit du Seigneur Jésus-Christ. I am then the product of the Lord Jesus. Je lui dois tout ce que je suis. I owe him all that I am. Je lui dois tout ce que j'ai. I owe him all that I have. Que Dieu soit béni. May the Lord be blessed. Le frère disait, well done, bien fait, bien fait. Qui a reçu le message de Dieu? Who has got well the message of God? Le frère dit, je me suis retiré, j'ai médité, je me suis retiré, j'ai médité, je me suis retiré, j'ai médité, je me suis retiré, j'ai médité. I retired. Si tu ne te retires pas, tu ne médites pas. If you do not retire and do not meditate, le ciel sera fermé. The heaven will be closed. Dieu a dit, God has said, vous me chercherez. You are going to seek me. Et vous me trouverez. And you will find me. Si vous me cherchez. If you seek me. Tout votre cœur, de toute votre force. With all your heart and all your strength. Un croyant qui sombre, il sombre, il sombre, il sombre, il sombre, il sombre. A believer who is down, down, down. Les retraites et les rencontres dynamiques. Retreat. And daily encounters. Et une vie de méditation efficace, dynamique. And an efficient life of meditation and dynamic meditation. Vont le ramener. Will take him back. Vont faire descendre Dieu. Will make God come down. Beaucoup de frustration, des larmes, des pleurs, des rétrogrades. C'est lot of frustration. Qui ne médite pas. Weeping and sorrows. Are for people who are not meditating or not seeking God. Quand tu as des disciples, when you have disciples who seek God, tu es heureux. You are happy. Qu'est-ce que je pouvais donner à Antoine? Rien. What could I give to Antoine? Nothing. Peut-être plakali, nyamakudi. Maybe some plakali or ginger juice. Et c'est fini. It's over. Mais il avait Jésus-Christ. But he had Jesus Christ. Et il a Jésus-Christ. And he has Jesus Christ. Psaume 34. Psalm 34. Si tu veux, tu peux devenir son ami. If you want. C'est comme ça que nous faisions quand nous étions des jeunes convertis. Quand je vois un frère qui est fort, you can become his friend. Ami. This is how we behave when we were young Christians. If I see a brother who is strong, I become his friend. Tu peux devenir son ami sans lui dire je veux changer de frère de disciple. You can become his friend. Tu médites pour moi, moi je dors. Without telling him that you want to change your disciple maker, that way you meditate for me and me I sleep. Lisons ensemble ce psaume. Lis-nous ce psaume. Let's read together this psalm. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie,
L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? What happened here? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du frère Antoine? First of all, what's happened in the life of brother Antoine? Il traversait des temps difficiles. He was facing very hard periods, very hard. Il pouvait même entrer dans une dépression. He could even go through a depression. Ses amis n'avaient pas de mots pour le consoler. His friend had no word to comfort him. Il ne pouvait que chanter. They could only sing. Sous l'inspiration de la grâce. Under the inspiration of the grace. Il avait une capacité divine de se repentir. He had a divine ability to repent. Parce que tu veux dire là, tu peux croire que c'est facile. Because you can believe that it's easy. Il a dit, Dieu, je ne veux pas chanter. He said, God, I don't want to sing. Quelqu'un est venu chanter le même chant. Someone came and sing the same song. Il a stoppé la personne. He stopped the person. Il lui a rendu témoignage. Il s'est même exposé. He first exposed himself. En avouant que Dieu vient de me demander de chanter, j'ai refusé. Confessing that God has just asked me to sing and I refused. Ça veut dire qu'il y a une certaine transparence. It means that there is a transparency. C'est un chemin où le faux ne peut pas t'aider. It is a way that the falsehood cannot prosper. C'est le chemin des gens brisés. It is the way of broken people. Et puis il a chanté. And then he sang. Comme un enfant. Like a son. Like a children. A child, sorry. Quand Ezra était toute petite, elle était bébé, je crois qu'elle avait 1 an ou 2 ans. When Ezra was a little baby, like 2 or 1 years. Quand elle pleure. When she wept. Après, je dis la joie de Jésus. And I say the joy of Jesus. Avec les larmes, elle sourit. With the tears, she smiled. C'est-à-dire, elle passe des pleurs au sourire. She goes from crying to the smiles. Les enfants. The children. Et Jésus dit. And Jesus says, pour entrer au ciel, to enter heaven, faut être comme les enfants. You must be like children. Je connais des gens. I know people. S'ils sont frustrés, when they are frustrated, tu ne peux rien leur dire. You can't tell them nothing. S'ils veulent insulter Dieu, ils finissent d'abord. If they want to insult God, they end it before. Et puis ils reviennent lentement, lentement. And they come back slowly and slowly. Et après 3 mois. And after 3 months. Ils peuvent dire pardonne-moi. They can say forgive me. Il y en a qui disent mais pardonne-moi alors. There are some who say don't forgive me. Parce que tu peux dire là je m'avais fait comme Antoine. Tu laisses l'essentiel, le cœur qu'il a. Because you can say I want to do like brother Antoine and you forsake the core value. Et puis physiquement and physically il a un handicap. He has an handicap. Pour certaines personnes, cela suffit pour qu'il aille boire le kutuku. For some people, this is enough for him to go and drink the kutuku. Dieu n'est pas bon, il m'a abandonné. God is not good, he has abandoned me. Un frère était frustré à Korogo. A brother was frustrated in Korogo. Il est parti de l'assemblée. He went from the assembly. Il a commis 3 fornications. He committed 3 fornications. Et il a enceinté une fille. And he put a girl in pregnancy. Quand la fille lui a dit que je suis enceinte, il a pris les comprimés. When the girl told him that I am pregnant, he took some medicines. Il dit, il va boire et mourir. He said he will drink and die. Donc, le frère Antoine
So, Brother Antoine, a géré divinement, divinely managed, une situation qui pouvait donner la mort. A situation which could lead him to death. Grâce à la vie, des rencontres dynamiques, la thanks, méditation efficace. Vivante. Thanks to the life of an efficient, thanks to an efficient life of meditation and dynamic encounters with God. S'il m'avait même consulté, je ne sais pas qu'est-ce que je lui aurais dit. If he even consulted me, I don't know what I would told him. Ici dans le psaume, here in the psalm, David traverse des moments difficiles. Is crossing very hard periods. Parce que Saül voulait le tuer. Because Saul wants to kill him. Et dans sa fuite, and in his flying, dans ses multiples fuites, in his multiple flying, un jour, one day, les Philistins l'ont attrapé. The Philistines caught him. Ils l'ont saisi. They seized him. Ils ont reconnu la personne qui avait tué Goliath. And they recognized in him the person who killed Goliath. Et ils l'ont amené devant le roi. And they sent him in front of the king. Ils ont dit au roi, mais voici ce monsieur. They told the king, this is the man. Et David a eu peur. And David was scared. Il a tellement eu peur. He was so scared. Qu'il a commencé à se comporter comme un fou. That he's starting behaving like a madman. Pour échapper. To escape. Il traçait les choses sur le mur et laissait couler la salive. He was writing on the walls and was spitting aside. Et le roi l'a chassé. And the king casted him out. Abimelech a dit, mais vous voulez que je sois témoin de ces extravagances? Abimelech said, you want me to witness this kind of things? Mais quand David est parti de là, but when David went from there, selon son témoignage, according to his testimony, il allait directement s'humilier devant Dieu. He went directly before God. Il dit, he says, je bénirai l'Éternel en tout temps. I will always thank the Lord. Vous voyez un homme, l'homme qui dit qu'il va bénir Dieu en tout temps. Faut vous souligner. Faut see pas lire la Bible comme des aveugles. See the man who is saying that he is going to thank the Lord every day. En tout temps. Always. Quelqu'un qui souffre. Someone who is suffering. Il prend l'engagement. He is committed himself. Il va bénir le Seigneur en tout temps. That he will thank, he will bless the Lord. C'est ce que Dieu lui demande. Always is what God is Dieu was asking me. Faut chanter. God taught Brother Antoine sing. Il dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. I will never stop praising him. Il dit que mon âme se glorifie à l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il dit, il m'a délivré de toutes les frayeurs. He said, he rescued me from all my fears. Son cœur qui battait, qui tremblait. His heart which was shaking, trembling. Présence de Dieu. In the presence of God. Le Seigneur a enlevé la frayeur. The Lord has taken away the fear. Si ceux qui ne font pas ça, ils vivent dans la frayeur tous les jours. Those who do not do that, they live in fear every day. Ils se couchent effrayés, ils se réveillent effrayés. They sleep feared, they wake up feared. Ils ne savent pas chercher Dieu. They don't know how to seek God. Il rend témoignage. He is giving his testimony. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. He said the helpless call to him and he answers. Et le visage ne se couvre pas de honte. He saves them from all the troubles. S'il n'avait pas cherché Dieu, if he had not sought God, il allait vivre caché.
he would live hidden. La honte. With shame. Pour ce qu'il venait de faire devant ses serviteurs. For what he was just having, he had just done before his servant. Les gens qui sombrent, people ne cherchent pas Dieu, ils ne méditent who are pas. Down every day down, ils ne réfléchissent pas. Are not seeking God ils and are not reflecting. They don't seek God. Parfois on me dit qu'il y a des gens qui ne se saluent pas. Je me demande est-ce qu'ils prient, est-ce qu'ils cherchent Dieu? Comment quelqu'un peut prier et puis se lève et ne salue pas son frère? Sometimes I am told that there are people who are not greeting each other. So my question is, do they pray? Est-ce how can Dieu they? Ne leur parle-t-il pas? Doesn't God speak to them? Vous avez vu l'exemple du frère Antoine. Ça, c'est... You saw the example of brother Antoine. Il est de la même génération que nous. He is in the same generation than nous us. Nous avons reçu les mêmes enseignements. We have received the same teachings. Sinon, il serait au village, comme il a dit. Otherwise, he would be in village, pas as he said. Un campement du village. Even in an hamlet. Et le plus misérable de ce campement. And the most miserable of his hamlet. Tous allaient se moquer de lui tous les jours que everyone Jésus là. Would laugh at him, saying that your matter of Jesus. Il a cherché Dieu. He sought God. Et Dieu l'a secouru. And God rescued him. Pour ceux qui viennent d'arriver à la CMCI. For those who are just come in CMCI. C'est ça être en contact avec Dieu. C'est ça la this communion is what avec Dieu. We call the fellowship with God to be in contact with c'est God. Cette vie que nous enseignons. It is that life that we teach. Pour que chaque croyant ait une communion vivante avec Dieu. For each believer to have a vivid fellowship with God. Aujourd'hui, today, il est un ancien dans l'église. He is an elder in the church. Un pasteur équilibré. A very balanced pastor. Si tes parents tombent entre ses mains, ils sont bénis. If your parents fall into his hand, they are blessed. Socialement, sa maman prie dans son salon et prie dans sa voiture. Socially, his mother pray in his lunch and in his car. C'est ce qu'il a proclamé à sa mère par la foi. It's what he proclaimed to his mother by faith. Nous croyons que Dieu existe. We believe that God exists. Paye le prix. Pay the cost. Pour le toucher. To touch him. Ne regarde pas à distance, c'est quoi? Oh, c'est quoi là-bas? Do not look far, saying, what is that over there? Ne viens pas t'asseoir avec orgueil. Do not come and sit with pride d'abord. And say, I have come to check before. C'est le diable te trompe. The devil is deceiving assieds-toi. You. Sit down. Travaille. Work. Fais comme les autres. Do like others. Tu seras béni. Seigneur notre Père. Lord our Father. Enseigne-nous. Teach us. À chercher ta face. To seek your face. Enseigne-nous, Seigneur. Teach us, Lord. À nous approcher de toi. To get close to you. En temps difficile. In difficult moments. En temps de joie. In joyful moments. En temps de combat. In fighting moments. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen.